La classe, le gosse. Ah merde, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. C'est incroyable. Ça doit être une branche de l'arbre monde. Atreus, reste sur le chemin. Oui, oui, je sais. Je sais pas ce qu'il faut faire la première fois qu'on... qu'on emprunte le passage. Faut juste attendre. Ouais. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. On va faire la... la prochaine mission de... des nains. Yoko, 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 yoko. Les milles de Volund. Ah, mais c'est là. Est-ce qu'on peut y entrer en bateau ou il faut avancer dans l'histoire principale? Ah, on voit les autres. Parfait. Je me ne souviens pas là. On va voir. T'as pas vu quelque chose là-bas? Une tour? Je ne vois aucune tour. C'est une hallucination. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu peux raconter d'autre? Ah. Il était un cheval. Un cheval qui cherchait à se venger de son ennemi, un cerf. Mais il ne pouvait pas tuer le cerf seul. Le cheval rencontra un homme, un chasseur, et fit un pacte. Il prit le mors et la bride de l'homme et lui permit de se mettre en selle sur son dos. Ensemble, ils tuèrent le cerf et le cheval savoura sa victoire. Mais le chasseur refusa de libérer le cheval et fit de lui son esclave. Donc il a perdu sa liberté pour se venger. J'espère que ça valait le coup. Ce n'est pas le cas. Tu veux qu'on s'arrête sur cette plage? Et la morale de l'histoire, c'est... Bah, j'en sais rien, en fait. Là, regarde. Bien. Je crois que c'est... C'est la première plage qu'on avait faite. Et c'était extrêmement dur. Vous êtes vivants, tous les deux. Encore un esprit? Oui, encore un esprit. Kratos n'aime pas les esprits. Bonjour. Je ne me souviens même plus de... Qu'est-ce que vous voulez? En connais-tu? Je ne suis... On peut faire quelque... Atreus, je dé...
Allez, gosse. Boy. Vas-y, boy. Ah, c'est pour parler la langue là, non? S'il y a le masque. Un autre morceau de code. Je vais essayer de les assembler. On reviendra plus tard pour le reste, quand l'eau... Quand l'eau sera descendue. Atreus, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait d'offrir de l'aide? De pas le faire. Exact. Mais on pourrait Ce pas... Ce n'est pas un débat. Tu dois apprendre à te concentrer. Notre voyage doit être ta seule préoccupation. Et s'il pouvait nous aider? Tu l'as semblé savoir des choses sur le lac. Et en quoi ça va nous aider à atteindre notre but? On saura pas si on demande pas. Alors... Entrer dans la mine, explorer l'île du lac. D'accord. T'as une autre histoire ? Une seule. Il y avait l'histoire d'une grenouille. Leur mare ayant séché, une grenouille et son fils partirent en chercher une autre. Ils trouvèrent un puits. Le fils vit l'eau et s'apprêtait à sauter, mais son père l'en empêcha. Il savait que le puits était profond et qu'une fois dedans, il ne pourrait pas en partir si l'eau venait à manquer. Judicieusement, ils partirent. C'est tout ? Oui. C'est pas une histoire, ça. Si le fils avait sauté, ce serait déjà mieux. Il serait piégé. Il mourrait de faim sous le regard de son père impuissant. Tu vois ? Voilà une histoire. L'histoire de Kratos, de Papa Kratos. Allez. Si tu y tiens. Que fait qu'il y a ? Parti. Un joli mix de combat, de runes et de rage. Alors... Que veux-tu? Alors vous êtes... Oui. As-tu vu d'autres? Seulement. Une perte de temps. Eh ben, ils n'ont sûrement pas tous des informations utiles. C'est vrai.
On a un vortex à faire, mais je crois que c'est plus tard le vortex. Partie du code. On pourra bientôt traduire les runes de Muspelheim. C'est vrai. Ouais, c'est après, je crois. A plus, Saphir. Passe une bonne soirée. Et une bonne nuit. Bon Monster Hunter. Le prochain aura peut-être plus d'informations. Ne te fais pas trop d'illusions, Atreus. Les esprits sont rarement utiles. Pourquoi ils existent, au fait? Quand la vie quitte un homme, la coupure n'est pas toujours nette. Alors t'as déjà rencontré d'autres esprits? Oui, beaucoup. Comment ils étaient? Pénibles. Pénibles. C'est arrêté là? Non, peut-être pas. On a le temps pour une autre histoire? Non, non, non. Une histoire courte. Non! Attends, nous finirons cela plus tard. Après, 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 après. Les histoires sont top. Fait chier lui. Voilà. C'est pas mal, hein? Ta technique s'améliore. Bon, tant pis. On se casse. Si j'utilise l'écureuil pour récupérer des cristaux, j'aurais plus besoin du soin. Il faudrait un truc pour taper plus fort ou... Ouais. Je sais pas. T'as une autre histoire ? Une seule. Il était un jeune homme qui avait été pris en train de voler et condamné à mort. Sa mère vint le voir en prison. C'était une femme douce, aimante et généreuse. Mais son fils, le voleur, ne ressentait que rage et lui mangea l'oreille. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'était rien d'autre qu'un voleur. Et que sa mère ne lui avait appris que l'amour en le préservant des conséquences. Si elle lui avait enseigné la discipline, sa vie aurait été plus longue. Oui, mais... son oreille... c'est horrible. Ouais, pourquoi pas. Kratos. Je vais essayer de toutes les écrire, les histoires de Kratos, et je les ressortirai en dans des dîners. On va voir un peu comment ça se passe. On l'ajoute à la collection. Ok, c'est parti. Allez. Voilà. Pas les traduire sans le code complet. On reprend le bateau.
L'île de la mort. On est allé là? Tu veux qu'on s'arrête ici? Non. Je crois qu'il faut ouvrir les portes pour une... Atreus, par ici. D'accord. Mission secondaire. Oh la vache. Tout le monde est mort. Oh. Oh, bien vu. Ça, ce sera pour plus tard quand il aura le pouvoir du dragon. Là. Par contre... Viens m'affronter! Les dieux n'ont que faire de tes... Noray. Jean, moyennant Si vous... Pourquoi vous détestez autant Thor? Quand mon père est mort, ma mère a érigé cette statue pour veiller sur sa tombe. Imaginez notre surprise quand le dieu du tonnerre en personne est venu offrir ses condoléances. Au début, nous étions ravis, mais rapidement, il a abusé de notre pied. Thor est un enfoiré dans le jeu. Je suis resté seul avec mon chat. Le maître, il... Le mec, il est encore en train de parler. Talisman de protection doré plus. Alors, activé juste après avoir pris un coup pour récupérer plus vite. Possède un effet passif qui augmente la fenêtre de temps pour les parades et augmente consciemment la défense lors des blocages. Activé juste après avoir pris un coup pour récupérer plus vite. Ça veut dire quoi ça? On va tester. La tombe de mon père se trouve sur une île, à l'est. Ne confondez pas la statue de Thor qu'a érigé ma mère avec cette horreur, au sud. Oh oui, c'est ça la solution. On va tester, voir ce qu'ils veulent dire par récupérer. Est-ce qu'on est... On est remis sur nos pas ou alors on récupère de la vie. Que son histoire te serve de leçon. La vie des hommes n'a aucune valeur pour les dieux. Je sais, père. Tu sais. Mais est-ce que tu écoutes? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux raconter d'autre? Une seule. Il y avait l'histoire de la mère crabe qui houspillait son fils. Elle lui disait qu'il devrait marcher droit et fier, et non de côté comme il le faisait. Mais c'est un crabe aussi. Il devrait dire « Je marcherai droit si tu me montres comment faire ». Oui, c'est ce qu'il a dit. C'était ça l'histoire. J'ai compris. Pas mal. Veilor Garde.
avant-poste sud du roi nain. Un nain ? Roi ? T'as déjà entendu parler du roi nain ? Non. C'est bon, entrez. Tant pis pour la tranquillité. C'était l'heure de ma pause, de toute façon. Ok. Normalement, on devrait se faire attaquer, là. On va voir à quoi ça sert. Ah! C'est sympathique, ça fait une sorte de stun en fait. Mais c'est quand même chiant à mettre, à placer. Hein. En fait, c'est chiant à placer à cause des combinaisons de touches. Mais c'est vrai que si on se fait enchaîner, on peut pas, on peut rien faire. Genre, je suis mort une fois tout à l'heure de ça. Genre, on se faisait enchaîner, on pouvait même pas bouger. C'est pas mal, ok, ouais. Peut-être que, ouais, peut-être qu'on augmentera ça. Passe en rage. Oh. Ça nous a coûté la vie de tester. Parce que vu que j'ai plus trop besoin du régène à la limite. Ça peut être pas mal. Ça déjà, ça fait le passif d'augmenter la défense quand on bloque, je sais pas quoi là. Atreus, par ici. Vaivelgarde. Avant-poste sud du roi nain. Un nain ? Quoi ? La merde. Non. Faudra changer de talisman à un moment ou à un autre. Si on en trouvait intéressant. Il aurait arrivé. Suis les indices. D'accord. Bon. Les traces de feu, elles sont toutes regroupées. Donc ils se cachaient peut-être pour échapper à un cracheur de feu. Mais ils sont morts quand même. Putain. Ah. Lila. Oui, père. Face Adother. Ça veut dire chasseur de mort. Génial. Atreus. Génial. Maudit soit le roi nain. Fléau des hommes. C'était pas un très bon roi apparemment. Je me demande pourquoi il le détestait autant.
Ils sont morts de toute façon. Quelle importance? Aucune. Je suis seulement curieux. La curiosité peut être dangereuse. Reste concentré. Wow. C'est vrai que ça va durer un moment ici. Là. Je crois que comment c'est une des... pour construire des statues aussi gigantesques? Les nains sont des créatures pleines de ressources. Pénibles, mais pleines de ressources. Une des plus grandes missions. Parmi les nains. Bon, voyons voir. Elle doit forcément avoir un point faible. Il y a l'autre qui nous a... Je vais ouvrir le coffre. Putain, il y a l'autre qui est aggro en fait. Salut Malaga, je viens de finir le jeu aujourd'hui, incroyable. Ah, ça c'est un bon jeu. C'est le jeu de l'année, hein, de la foire. On n'en fait plus beaucoup des comme ça. Et maintenant, du coup, on peut passer en New Game Plus. Pas trop dur en mode God of War. Bah moi je l'ai fait, la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai fait directement en God of War, donc... C'était très dur, la première fois que je l'ai fait. J'ai fait le jeu. C'est où qu'il faut tirer maintenant? Ah, le pied je crois. Non. Là. Tada! Il était pas si costaud. Les dieux ne cèdent pas aussi facilement, Atreus. Je sais, je plaisantais. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Désolé. Ah, faire le jeu la première fois en God of War, c'est un challenge de ouf. Hein. Mais c'est top. T'entends ça? Yeah, dragon. Oh putain. Oh, j'ai un tagol. C'était plus dur que d'habitude. Pas vraiment, non.
C'est la troisième fois. Non, ça c'est la deuxième fois. La toute première fois, je l'ai fait directement en God of War. J'ai pas fait en normal. Comme tout le monde. Putain. Ah, c'est ceux qui crachent le poison, ils sont chiants. Je sais, Atreus. Je sais, Atreus. Non, il est pas bloqué, il est en rouge, mais on peut le sélectionner. Je crois, enfin je crois qu'il a une couleur différente ou un truc comme ça, mais on peut le sélectionner. Ah bah t'as qu'à bouger tes fesses. Là-bas. Là-haut, non. Atreus, saute. Ah non, je crois que c'est quand on fait tout le tour. Non, non. En difficile, ouais. Ah, le God of War est pas mal parce que les ennemis peuvent monter de niveau et tout. C'est hardcore, par contre. Très, très hardcore, mais surtout quand on découvre le jeu. Mais au moins, c'est, enfin, ça fait du bon challenge par contre. Hein, putain, je me rappelle plus comment on fait déjà. Je me rappelle plus. C'est pas grave. On verra ça après. Je sais qu'il y a un vortex à faire là-haut. Atreus. Passe. Boum. Ouais, ouais, j'ai vu Thor. Ah oui, il y a ceux d'en haut là. Ouais, j'ai vu Thor à la maison. Un dragon enchaîné. Maman me racontait des histoires sur eux. Une idée ? Ce dragon est dangereux. Je sais. Mais il a l'air si triste. Le reste, ce sera pour après, je crois. C'est parti. Ah, ce passage était chiant avec les ennemis qui régènent. Eux, là, ils sont extrêmement relous. Oh. Facile maintenant. C'était bien cher à l'époque. J'ai fait toutes les Valkyries, ouais. J'ai tous les équipements qui le prouvent.
faire eux d'abord. Non, pam, pam. Oh putain. L'autre qui me tire dessus, c'est relou. Oh, pas le dragon, il s'en mêle. Attention. Oh, tu m'as gavé là. J'aurais pas dû régène là parce que voilà, ça le problème. En train de se faire. Chiant ce dragon. Armure du vagabond est vachement bien. Je crois que c'est une des premières que j'ai débloqué et que j'ai augmenté. Je dois toujours l'avoir, vagabond. Ouais, niveau 6, elle au max. Valkyrie est mieux, et Valkyrie est quand même mieux, les bonus en fait sont top. Et après il y a Ivaldi aussi. Toutes les parties d'Ivaldi elles sont sympas, en fait c'est juste un régène quoi, constant. Enfin c'est bien hein, mais moi je préfère avoir des bonus genre bonus de force, bonus de machin. Genre il y a une partie de Valkyrie qui est vachement bien. Quand on tue quelqu'un avec une rune, ça réinitialise nos runes. Enfin il y a une chance pour que ça réinitialise nos runes. Donc on peut spammer les runes, c'est cool. Oh ma vie. Pas bon. Je fais le con. Boum. Ça va. J'étais un peu bourrin avec les runes et on s'est pris des dégâts pendant qu'on était en animation, mais ça va. Ça c'est fait. Je me rappelle le coup. On n'en parle plus. Fini en une seconde. Pierre de colère. Ok, faut faire le coffre. Si je me rappelle bien, il y en a une à la stèle. Sur le piédestal. On doit trouver les deux autres et nous libérer. Ce n'est pas notre problème. Ah merde, non mais c'est pas du coffre en fait. Mais c'est ce que maman aurait voulu. Et ça semble juste. Contrôle tes émotions, Atreus. Tes ennemis n'hésiteront pas à s'en servir contre toi. C'était pour le dragon. Ah merde, elle est où la troisième pierre? Je fais un détecteur de pierre.
que je me rappelle plus. Si quelqu'un s'en souvient, criez, s'il vous plaît. Il manque une pierre à détruire. C'est peut-être plus loin. Bah merde. Bah il s'énerve. Atreus, cherche la pierre. Oh. Allez là, putain. Saloperie. Ah. Je me rappelle, c'est le Atreus, avec moi. Le premier endroit, je crois que je l'ai fait deux fois ça. C'est le premier endroit où les ennemis en fait étaient trop forts. Et j'ai ouvert la porte et j'ai foncé. Et après je les ai tués petit à petit pendant qu'ils étaient en train de marcher en fait. Hop là. Ah putain. Les pierres qui disparaissent de l'écureuil, c'est relou. Par ici. Oui, père. Corbeau. Je crois qu'il y a un corbeau d'Odin. Ah oui, c'est vrai qu'il faut regarder, donc un F. Sûrement celui-là, le F. Ça. Hop là. La merde. Gros bourrin.
Les ennemis sont pas assez hauts, je trouve, en New Game Plus God of War. C'est ce qu'a fait. Maman l'aimait beaucoup. C'était une grande... Enfin, ils font mal, ça c'est sûr, mais... Et tous les animaux qu'elle chassait. On les massacre assez vite. Atreus. Ah, on a fait rire Atreus apparemment. Regarde cet endroit. Une ruine. Oui, mais si c'est un nain qui l'a construit, ça devait être impressionnant à l'époque où il régnait. Oh putain. Si jamais il nous attaque, on sera obligé de le tuer. Ah, c'est vrai. Je serai prêt. On verra. Ça aurait été bien de combattre plus de dragons qu'un seul. Parce que le dragon qu'on a combattu était vraiment cool. Vous faites quoi, là? Ah ouais. Ça fait trois fois que tu me tapes. Prends-le. On en a eu un autre. Une bonne chose de faite. Alors, il faut ouvrir le... Ah, bah c'est là. Tada. Va falloir qu'on décide quoi faire avec nos perles de colère. Je sais pas trop quoi en faire maintenant. Ah non. J'aime pas cela. Un jeu incroyable, je suis d'accord. Les perles de colère, c'est uniquement en New Game Plus. C'est pour les nouvelles armures, les rouges. Comme celle-là. Et ouais. Et nouveaux talismans, nouveaux pommeaux, etc. Atreus. Bien. J'ai rien loupé. Pas un corbeau à la con d'Odin, là, non? Oh, let's go. Le roi Nain a obligé ses sujets à chasser des dragons et d'autres monstres pour lui.
tu parles d'un roi. Direct, c'est parti. D'accord, ça c'est une porte. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je vais faire, ça. Tu vois ça? On dirait que ce levier est là-bas pour le libérer. Il va attaquer. Je sais, mais une créature comme ça devrait pas vivre en cage. Encore tes émotions, hein? J'entends pas leurs pensées. Moi aussi. Ignore-les. Et tiens-toi prêt. D'accord. Ouais, c'est la mise à jour qui a rajouté le New Game Plus. C'est parti! Pour un style. Je vois rien. Ah oui, il fait des geysers lui, enfin des geysers. Oh, j'ai oublié ça. Non, elle a déjà tué. Sacre. Rien. Mais il était heureux de mourir au combat plutôt que de moisir dans une cage. Corne d'Heimdall. Ta technique s'améliore. Délivre une puissance. Tu t'es bien battu, Atreus. Kratos. Merci, père. Kratos. Merci. Délivre une puissante attaque infligeant des dégâts d'étourdissement et repoussant les ennemis à proximité, possède un effet passif qui réduit le temps de récupération lors des blocages des parades. C'est pas mal ça. Ça a pas mal ça. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça cool. Cool. C'est un coup de bouclier en fait. Enfin, comme ça, mais en plus puissant. Ouais, en beaucoup plus puissant. Y a pas de nouvelle mission en plus, non. Mais les monstres sont plus haut niveau. Apparemment, ils auraient des attaques en plus. Enfin, j'ai pas remarqué qu'ils avaient des attaques en plus pour le moment. Mais c'est plus dur. Et après, il y a les nouvelles armures, nouveaux talismans. Nouvelles choses à récupérer. On doit aller où, là, nous? Là. Non. Écoutez. Les nouvelles armures sont cool. Ah, elles sont très, très cool. Bon, par contre, ça met du temps à recharger là, le coup de bouclier là qu'on vient de débloquer. Ça met extrêmement longtemps. Ah, oh, de l'air frais, ça fait du bien. Est-ce qu'on a fini? Non. Ah là. Yeah!
fantôme. Ah, ça met trop de temps à se recharger cette merde. Oh la vache, c'est toujours pas prêt. Ouais. Pourtant, ça avait l'air bien. Bah après, si on le monte de niveau, peut-être. Pitié, ne nous mange pas. Ne nous mange pas. Atreus, prépare-toi. Marvelant du dragon plus. En plus, vous obtenez l'aura imparable. C'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Sauf si les stats sont complètement pétés. Force 15. Non, on va pas utiliser. Qu'est-il arrivé aux gens qui vivaient ici? Un peu déçu. Suivre les indices, mon garçon. Oui. Suivre les indices. Il y avait un méchant roi, non? Et il obligeait les gens à chasser des monstres. Pour ensuite les mettre en cage. Et après, je sais pas. Il nous manque un indice. On retourne dans le château? Non. On ne trouvera rien de plus à l'intérieur. Mais reste à l'affût des dragons enchaînés. Qui sait? Tu en apprendras peut-être plus sur le roi nain. Je me rappelle plus comment on va au vortex, putain. C'est bien un dragon! Est-ce qu'il est enchaîné aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment on va au vortex? Je me souviens plus. Mais je sais qu'on peut y accéder normalement. Non, ça s'est retourné au château. Quelqu'un se rappelle ? Ou a une idée ? Je sais que là il faut passer là, mais c'est pas de ce côté, je crois. Ah, c'est là, quel con. J'ai rien dit, c'est bon. Faire le vortex. Les vortex aussi ont changé. Maintenant il y a un timer à chaque fois qu'on fait du vortex. Ok, là c'est pour descendre. Ok, let's go. Ah non, là c'est juste récupérer un objet, je pense. Ouais.
C'est trop petit. Hein. Tada. Mais ouais, maintenant il y a un... On a un timer, genre 1 minute, 2 minutes pour tuer les monstres qui apparaissent. Allez, on se casse. Ah non, 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 non. Quoique. Ou on reprend le bateau. Non, on reprend le bateau. Père, pourquoi est-ce que les dieux nous causent autant de malheur? Parce que c'est dans leur nature. Mais, avec tous ces pouvoirs, certains d'entre eux pourraient essayer de rendre la vie des gens meilleure. Et pourtant, ils continuent à infliger la souffrance. Je préfère les lames ou la hache? La hache. Personne. Complètement la hache. C'est par là. Ouais, non, je suis un grand fan de la hache. Les lames, je les trouve vraiment très très bof. Je les utilise seulement pour les attaques runiques. Et après, la plupart du temps, je les range. Et je récupère la hache. Hache corps à corps. Hache et Manu. C'est bête, car bon, oui, c'est un peu le... Les armes de Kratos, les dagues, mais je les trouve pas extrêmement utiles. Enfin, ouais, pas assez puissant. Écoutez, cet alchimiste que je t'avais dit de trouver. On peut améliorer. Ce qui est embêtant, c'est que ça explique pas si améliorer ça va réduire le cooldown en fait. Ça c'est chiant. Enfin bref. Pomme de hache, non. Talisman. On pourrait faire un super talisman. Réinitialise le temps de récupération de toutes les runes. Possède également l'effet passif d'augmenter les runes pendant la récupération des attaques runiques. Ça, c'est bien, ça. Réinitialiser les runes. Ça, c'est top, ça. Octroie un accès de rage. Possède également l'effet passif d'augmenter la quantité de rage obtenue dans les combats durant la rage passive. Ça aussi, c'est pas mal. Enfin, les deux sont top. Pff, c'est chiant. À ton service, petit. Je crois qu'on va améliorer les armures. Ouais, on va faire ça. Ça, matériel de qualité. Te connaissant, ça va faire une journée. Tada! Alors, on reste dans le coin pour causer un peu. Ça, c'est fait. Bah, le problème avec les haches, c'est que rien que de fait, le fait de pouvoir la lancer sur les ennemis de très loin. Bah, du coup, c'est beaucoup plus utile, quoi. Alors que la portée des dagues, elle est pas top, quoi. Je connais l'histoire d'un Kratos. Bûcheron. Il demanda aux arbres de la forêt une branche afin de faire un manche pour sa hache. À la place, les arbres lui donnèrent un jeune sapin afin de garder leurs membres. Le bûcheron fabriqua sa hache, puis il revint et abattit les arbres les plus anciens de la forêt. Le fait d'être vieux ne veut pas dire qu'on est sage. Waouh, belle morale. Très belle morale. Oh, gouffre de volume. Parfait, c'est ce que je cherchais.
Et on y va. Bien, Atreus. Deuxième quête secondaire. Là, regarde. Tenez-moi de l'argent.